Le projet de ce vélo cargo a été présenté en 2018. Depuis, il n'a pas cessé de mûrir. Le Strok, c'est son nom, est un vélo cargo 3 roues d'1,90 m, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus long qu'un vélo ordinaire. Il est modulable, ce qui permet le transport de marchandises ou de personnes, d'enfants exactement. On peut mettre des sacs, des caisses, etc. Le tout parfaitement adapté à son cadre. Si vous préférez transporter de la marchandise avec ce vélo, ça fait vraiment très professionnel. Surtout qu'en plus, il est suspendu. Bref, il s'adapte à toutes les situations. Grosso modo, c'est le couteau suisse des vélos cargo. Avec ses roues de 18 pouces à l'avant et sa roue de 20 pouces à l'arrière, il est particulièrement maniable. Au niveau de la motorisation, il est maintenant équipé d'un moteur pédalier de la marque japonaise Nidec et d'une batterie de 36 volts et de 10,5 ampères-heure. Son moyeu Shimano comporte 5 vitesses mécaniques et il sera proposé à 3200 euros pour le modèle de base, ce qui finalement n'est pas très cher. Pour vous le procurer, il va falloir attendre qu'il y ait un importateur en Europe. Mais bon, je pense que vous allez pouvoir le trouver rapidement en Allemagne et après en France. Et comme je le dis souvent, Shiftbike est un nouveau venu dans le domaine du vélo. Ils proposent pour le moment qu'un seul modèle, mais avec deux couleurs. Ils ont choisi de commencer par un vélo de ville, cadre bas, correctement équipé avec des garde-boue par exemple, ce qui permet que lorsqu'on passe sur une flaque, d'éviter de se faire éclabousser les chaussures et le dos. Son moteur est dans la roue arrière et il fait 43 Nm de couple. Je confirme. C'est un vélo de ville, c'est pas un vélo de montagne, nous sommes d'accord. Par contre, sa batterie, c'est une 36 volts 13 ampères-heure, ce qui finalement va lui permettre d'avoir une très bonne autonomie. Vous pouvez compter sur un minimum de 50 km avec l'assistance à fond. Oui, parce que comme d'habitude, vous connaissez le truc, c'est que vous allez pouvoir augmenter bien sûr l'autonomie si vous diminuez l'assistance et que vous appuyez un peu plus sur les pédales. Mais là, on parle d'une vraie assistance. Donc les 50 km, vous les ferez tranquillement. Si vous avez envie de forcer un peu plus sur les pédales, sachez que vous avez 5 niveaux d'assistance, donc le plus fort au plus faible. Et vous pouvez même avoir une autonomie illimitée si vous utilisez que vos mollets. Bon, ça c'était pour la petite plaisanterie sur l'autonomie. Mais néanmoins, c'est ce que je vous conseille de faire, surtout maintenant que les fêtes elles sont passées, et que généralement on a des petits kilos à perdre, donc ça permet de faire du sport, d'autant plus que le vélo, comme c'est un vélo électrique, il est assez lourd, il fait pratiquement 24 kilos, mais pour vous aider dans l'effort, sachez qu'il a 8 vitesses mécaniques avec un dérailleur micro-shift. Pour les roues, c'est du 26 pouces, et sachez que ce vélo est monté en France, par la manufacture du cycle, qui je fais un petit coucou de bonne année. Oui, ça fait un petit moment que je les connais, et si un jour vous passez par Nantes, vous pouvez passer les voir. Ils ont un showroom, alors je vous conseille de leur passer un petit coup de fil ou de leur envoyer un mail parce que c'est pas ouvert tous les jours. Et dans ce showroom, souvent il y a des bonnes affaires à faire. Pour finir, ce premier modèle de Shiftbike est proposé au prix de 1890 euros et s'il ne vous convient pas, vous pouvez le retourner, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup. Vous pouvez également réserver un essai, ce que je vous conseille de faire avant de vous décider. Ça me semble quand même plus judicieux. Les premières livraisons sont déjà en cours, donc vous pouvez y aller. Et on leur souhaite tous nos voeux de succès dans cette nouvelle aventure. We'll be right back.
Je profite de ce début d'année pour vous dire ce qui va se passer sur la chaîne e-bike distribution et puis ce qui va se passer pour les émissions e-bike news et e-bike news express. On va commencer tout de suite par Clip, qui est un kit, ça ne s'invente pas, qui se fixe sur la roue avant de n'importe quel vélo. Il y a un an de ça, vous avez découvert e-bike news. Et il faut savoir que e-bike news est une émission 100% gratuite. Et le but, c'est de vous informer sur tout ce qui est déplacement doux, toutes les nouveautés, tout ce qui peut sortir. En effet, je ne me limite pas que au vélo. Pourquoi gratuite ? Tout simplement, j'ai voulu donner la possibilité à tous, c'est-à-dire aussi bien aux artisans qu'aux grosses boîtes, de pouvoir communiquer sur leurs produits. E-Bike News est mensuel et j'ai lancé une deuxième émission, E-Bike News Express, qui, elle, est diffusée entre deux e-bike news. E-bike news est une émission de petites annonces payantes qui collent plus à l'actualité. Mais je dois bien vous avouer que cette dernière, elle a du mal à décoller. Pourquoi ? Simplement parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Eh oui, 7000 abonnés, c'est pas assez. Alors, pour avoir plus d'abonnés, j'ai dû faire des concessions. Il y a de la publicité sur les vidéos d'e-bike distribution. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'algorithme YouTube va mettre les chaînes dans lesquelles il peut balancer la publicité en avant. Et celles où il ne peut pas balancer la publicité, ça va dépendre du nombre de vues. Et c'est pour ça que dorénavant, mes vidéos comportent des publicités. Si vous préférez, j'ai pas eu trop le choix. J'ai dû également produire des formats courts, les fameux shorts qui sont des formats verticaux. Et ça, franchement, je trouve ça pas mal parce que ça permet de faire la promotion de la chaîne. Le résultat, c'est qu'en une dizaine de jours, la chaîne a gagné une centaine d'abonnés. Alors, pour continuer sur cette lancée, j'ai décidé que les annonces d'e-bike news express, elles seront gratuites jusqu'à ce que l'on atteigne 10 000 abonnés. Évidemment, les annonces resteront gratuites à vie pour les clients d'e-bike distribution. Elles seront également gratuites pour les recherches d'emploi ou les recherches de personnel. Donc les professionnels, profitez-en. Les annonces, elles resteront gratuites même si on dépasse les 10 000 abonnés, ce que j'espère assez rapidement. Elles seront également gratuites lorsque on vous aura volé votre vélo et que vous voulez faire des recherches, vous voulez passer une annonce pour qu'on essaye de retrouver votre vélo. Ce type d'annonce sera également gratuite, même si vous n'êtes pas client chez e-bike distribution. Sachez qu'il y a également un Tipeee qui est ouvert, mais qui est destiné aux professionnels. Ils sont totalement libres de donner ou de ne pas donner. Alors Tipeee, ça veut dire pourboire en anglais, ok ? Ce fameux pourboire que les professionnels vont donner ou pas donner, parce qu'ils sont libres, ça va nous permettre de vous retrouver sur les salons, d'organiser des événements et pourquoi pas d'organiser des événements cyclistes entre abonnés. Ouais, parce que après 2 ans d'être coincé avec le Covid, je vous avoue un peu que j'ai les pédales qui me démangent, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que je produis mes vidéos à partir de l'Asie, à partir du Vietnam, pour ceux qui me suivent depuis plus de 20 ans. Et pour répondre à la question de Jean-Marc du Finistère, comme ça tu vas te reconnaître, avec qui j'ai eu une très longue discussion par mail, oui, j'envisage de revenir en Europe. Alors, la décision va se prendre d'ici 2 à 3 mois. Et si je reviens en Europe, ça va se faire tranquillement pendant l'année 2022. Pourquoi cette décision ? Parce que tout simplement, la situation sanitaire ne me permet pas de voyager librement. Ce qui fait que du coup, l'intérêt de rester en Asie, c'est devenu une contrainte pour nous tous. Vous avez également pu voir que dans e-bike news, j'ai essayé 2 formats. Le premier était de traiter des sujets sous forme de reportage. Le deuxième, c'est en bref, une série de petites annonces très rapides. Je vous ai demandé votre avis sur ces 2 formats. Alors, les réponses sont restées finalement assez floues. Et lorsque je n'ai pas fait ces 2 formats, vous ne les avez pas réclamés non plus. Alors, vous pouvez toujours donner votre avis sur ces 2 formats, soit dans les commentaires, soit par email. Et puis, je verrai ce que je ferai pour 2022. Je termine ainsi ce petit vlog. Maintenant, place à la découverte d'un vélo couché particulièrement adapté en cette saison. Je vous laisse découvrir ça. Let's go!
En 2017, Podbike AS présentait son prototype, le Podbike Freecar. Mi-voiture, mi-vélo couché, cet étrange véhicule avait attiré finalement la curiosité de pas mal de gens. En tout cas, suffisamment pour que son créateur décide de poursuivre l'aventure. Et comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule 4 roues qui est propulsé par vos mollets et par une assistance électrique jusqu'à 25 km/h. Alors c'est plutôt sympa d'avoir mis une assistance vu le poids de l'engin et surtout l'adhérence due aux 4 roues. La batterie, dont j'ignore la capacité, permet d'avoir une autonomie de 50 km d'après le fabricant. Il est propulsé par deux moteurs qui sont dans les roues arrière. Ses dimensions sont pratiquement celles d'un grand vélo cargo puisqu'il fait de long 2,30 m et 84 cm de large. Ce qui sera pratique pour se garer. Et puis, ce qui est assez rigolo, c'est que vous pouvez prendre les pistes cyclables avec cet engin. Oui, monsieur, le Podbike est classé comme un vélo électrique avec l'homologation qui va avec. Et du coup, vous pouvez prendre les pistes cyclables. Bon, j'aimerais bien voir la tête des policiers malgré tout, parce que quand ils vont voir passer ça... Alors, si je parle de Podbike aujourd'hui, c'est tout simplement que la production va commencer au printemps, puisqu'ils ont reçu 3400 précommandes. Les livraisons sont prévues pour 2023. Le Podbike Freecar propose différentes options, comme le chauffage, l'essuie-glace, non... Il n'y a pas encore la climatisation, mais en tout cas, la grande verrière, on peut l'enlever et du coup, rouler à l'air libre. Concernant le prix, c'est 6 249 € hors taxes, hors frais de livraison. Vous avez encore la possibilité de passer des précommandes, c'est simplement 300 € à verser et puis d'attendre ce vélo mobile. Comme d'habitude, plus d'infos. Dans eBike News, je vous présente souvent des véhicules qui roulent ou qui volent au-dessus de l'eau. Là, c'est d'actualité car il s'agit d'une motoneige électrique. Elle vient d'être présentée au CES de Las Vegas car c'est une petite motoneige de 87 kg. C'est en 2015 que Nicolas, qui est en vacances dans les Alpes, a eu l'idée de fabriquer ce véhicule, un véhicule pratique, léger et silencieux. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent le skidoo, c'est lourd et c'est pas silencieux. Du coup, il monte sa société à Annecy et lance son Moonbike. Vélo de lune, si vous préférez, parce qu'il est blanc. Puis je pense que Nicolas, il doit bien aimer les balades dans la neige au clair de lune. Sa vitesse est de 42 km/h, ce qui fait que sur la neige, ça fonce. Et son autonomie est de 1h30. Personnellement, 30 minutes à se geler les ça me suffit largement. L'avantage du Moonbike, c'est d'avoir un couple qui est énorme et disponible immédiatement. Et ça, dans la neige, c'est génial. Autre avantage du Moonbike, c'est le silence et sa facilité d'utilisation. Ceux qui ont déjà utilisé des skidoo, ils savent de quoi je parle. Imaginez-vous au guidon du Moonbike traverser les chemins enneigés à travers les forêts avec les sapins recouverts de neige et tout ça sans pratiquement faire de bruit. Vous y voyez déjà? Moi je m'y vois. Doté d'un moteur de 3 kW, il permet de grimper une pente à 40%. Des pentes à 40% qui sont damées. Si vous avez envie de vous amuser dans la poudreuse, c'est à peu près jusqu'à 30 cm. Pour finir, les Moonbikes sont assemblés en France par Bosch dans l'usine de Marigné dans le 74. Disponible évidemment à la location, vous pouvez l'acheter pour 9 000 €. Vous avez compris pourquoi vous risquez de le trouver en location dans un premier temps.
La charge complète d'une batterie se fait en 3 heures et vous pouvez avoir une deuxième batterie pour faire une rotation. Plus d'informations, eh bien, vous allez sur leur site et moi, j'espère bien le tester lorsque je viendrai en France. Nicolas, je t'avertis dès que je suis dans le secteur, ok ? En 2019, Nguyen Van Canson, qui est ingénieur, lance sa moto ici, au Vietnam. Après avoir étudié aux États-Unis, il rentre au Vietnam et lance sa première Tisserand. Petite moto qui roule à 80 km/h maximum avec un moteur de 5000 watts dans la roue arrière. Sa batterie fait 72 volts 29 ampères-heure, ce qui lui permet d'avoir une autonomie de 100 km. Si tu roules à 35 km/h. Eh oui, parce que si tu roules à 80 km/h en permanence, bah, ton autonomie, elle sera de pas grand-chose. Vendu au Vietnam pour 1 500 €, eh bien, malgré ses performances modestes, elle commence à se faire une petite place sur le marché. Du coup, ça a permis à Canson de faire une levée de fonds de plus de 2 millions de dollars et de travailler sur un deuxième modèle beaucoup plus performant. La Tisserand 200 pour 200 km d'autonomie. Car sa batterie de 72 volts et de 68 ampères-heure lui permet d'avoir une autonomie de 200 km. Attention, on est d'accord, comme ils font le calcul, à condition de rouler à 35 km/h, c'est-à-dire de rouler en ville. Ouais, parce que ici, vu la circulation, on roule pas beaucoup plus vite, je peux vous le dire. Mais si vous avez envie de rouler plus vite, si vous avez envie de rouler à 70 km/h, ce que vous pouvez faire puisqu'elle monte à 90 km/h celle-ci, eh bien, ça va vous donner une autonomie de 130 km, ce qui est déjà très intéressant. Car vous connaissez le principe, plus les ampères-heures sont élevés et plus l'autonomie est grande. La Tisserand 200 est propulsée par un moteur de 6000 watts, c'est-à-dire pour ça qu'elle va un peu plus vite. Elle permet une vitesse de 90 km/h et elle va se recharger en 3 heures, ce qui est très bien. Évidemment, on peut la recharger en cours de route puisque une heure de recharge permettra de gagner 100 km d'autonomie, à condition de respecter les 35 km/h en termes de vitesse, hein, pas à fond, on est d'accord. Concernant le prix, c'est un peu plus de 2 000 €. Et a priori, grosse surprise, hein, j'étais sur leur site, ils expédient dans le monde entier et les frais d'expédition sont compris dans le prix de vente. Du coup, en France, vous aurez juste à régler la TVA et les frais de douane. Oui, parce que pour le Vietnam, il n'y a pas de taxe anti-dumping. Ils n'ont pas d'importateur officiel en Europe pour l'instant. Si cette moto vous intéresse, vous pouvez les contacter directement sur leur site. Ou bien, bah, vous pouvez également nous contacter, car comme vous le savez, je suis au Vietnam. Ce qui peut être très utile au niveau de la langue. Et comme d'habitude, les informations, je vous les mets, bah ouais, sous la vidéo. Vous avez cru quoi ? Hi, my name is Cedric Evelet. I'm a 26-year-old mechanical engineer and mountain biker, and I'm stoked to show you guys my invention, my drivetrain invention. Cédric Evelet est un ingénieur canadien. Ouais, c'est lui sur la vidéo. Comme il en avait marre de dérailler lors de ses balades en VTT, il s'est penché sur sa table de travail et il a inventé la Supré Drive, un chemin de chaîne avec changement de vitesse qui ne déraille jamais.
Du coup, il crée sa société, LAL. Le nom de cette société rend hommage au nom de Pierre l'Allemand que vous connaissez sûrement. Non ? Eh bien, figurez-vous que c'est lui qui a eu l'idée de mettre des manivelles et des pédales sur la roue avant d'une Dresienne et poser les bases du vélo que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Bon, pour Cédric, ça a été un petit peu plus compliqué car il a bossé pendant 2 ans et demi sur sa transmission. Il a fait ça sérieusement puisqu'il a réalisé plusieurs prototypes qu'il a testés lui-même en conditions réelles. Du coup, quand il annonce que son dérailleur, c'est le plus solide du monde, je pense que vous pouvez le croire. Et évidemment, son système ne se met pas sur n'importe quel vélo. Il faut créer le cadre spécialement pour. Ce qui fait que c'est une aventure beaucoup plus grande qu'il attend, puisqu'il va être obligé de créer une gamme de vélos. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il est au Canada, sachez qu'il recherche des ingénieurs pour justement développer sa gamme. Perso, je pense que son procédé, on ne va pas tarder à le voir sur des vélos et sur des pistes de VTT et pourquoi pas sur les podiums. Comme souvent dans ce type d'innovation, c'est une affaire à suivre. Plus d'informations. I'm working hard to make this commercially available as soon as possible and you can follow along at LALBikes on Instagram. Noco vient de lancer 3 vélos électriques de route au sens large et il promet une autonomie de 200 km. Noco, je t'ai déjà dit 100 milliards de fois de ne pas exagérer. Oui, car ils sont équipés d'une motorisation Malte, que j'ai déjà parlé de cette motorisation. Elle fait 42 Nm de couple et elle est alimentée par une batterie de 7 ampères-heure. Alors, cette motorisation, elle est plutôt prévue pour éviter les frictions qu'il y a sur l'ensemble du vélo. Pour faire simple, vous avez la puissance d'un coureur sans avoir l'entraînement. Alors oui, avec une simple batterie de 7 ampères-heure, vous pouvez atteindre les 200 km d'autonomie, mais à condition d'appuyer quand même sur les pédales. Et si vous n'appuyez pas très fort sur les pédales, votre autonomie ne sera que de 35 km dans le meilleur des cas. Les 3 modèles sont le Forza, qui est un VTC, le Tempo, qui est un vélo de ville, et le Vulcano, qui se veut un vélo de course. D'ailleurs, c'est le seul qui est équipé de 11 vitesses. Oui, parce que le Forza et le Tempo sont des monovitesses, mais par contre, ils sont équipés non pas d'une chaîne, mais d'une courroie sans entretien. Le cadre des 3 modèles est en aluminium pour un poids plume de 15 kg, ce qui est correct pour ce type de vélo. Si la dimension des roues est identique pour les 3 modèles, vous avez le choix entre 2 à 3 tailles suivant le modèle que vous allez choisir. Sur les 3 modèles, vous pouvez sélectionner 3 couleurs. Noir, vert foncé, d'ailleurs qui est très joli, que j'aime beaucoup, et orange. Vous avez le choix également du guidon, et tout ça à partir de 4000 euros. Ouais, parce que le prix dépend des options. Avec les roues en carbone, le prix devient beaucoup plus onéreux. Plus d'informations, les liens sont dans... E-Bike News, c'est terminé. Vous pouvez aller faire du vélo. Pensez à bien vous couvrir parce que, a priori, ça caille un peu. Et moi, je vous dis au mois prochain. Let's go!